Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Vlog créatif, le numéro 7. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau projet que je viens de monter et j'ai bien tricoté. Ce sont les mardis torsades. Donc j'ai fait. Voilà. C'est un. Comment? J'ai fait les côtes. C'est un patron qui se tricote de la cheville vers la pointe des orteils, donc en cuff down. J'ai fait mon montage, alors j'allais dire habituel, ça fait que la deuxième fois que je le fais, mais qui me va très très bien, qui est le alternate ou alternating, blablabla. Long tail cast on. En gros, c'est un long tail cast on, mais on change quand on fait le mouvement de balancier, on change la manière de tenir son fil pour créer de la souplesse. Et franchement, alors déjà moi, au niveau du rendu, ben, je trouve que c'est bien. Et enfin, faudra la photo, tac tac, faut que je rentre le fil. Et au niveau souplesse, pour passer ma cheville, c'est très bien. Voilà. Donc, ça m'a. C'est le celui que j'ai fait sur les chaussettes numéro 2 de Eve. Et ça me va très bien. Donc, plutôt que de faire celui qui est conseillé dans le patron, dans le livre, qui était un montage provisoire, j'ai préféré reprendre celui que je connaissais. Donc, en coloris Zitron, le fameux coloris avec lequel j'ai tricoté les chaussettes numéro 2 de Eve, c'est un coloris de Eve, dans sa base Merino Nylon. Le coloris Zitron, qui est un jaune. Alors là, pas du tout, il y a la lumière qui s'y met, c'est plutôt. Plutôt comme ça, c'est très bien là, voilà. Donc, en coloris Zitron, et j'ai commencé en vert paume les torsades. Alors, forcément, là, clairement, on va rien voir, hein, parce que j'ai fait ben, trois rangs. J'ai fait trois rangs du motif pour, eh ben, pour comprendre comment marchaient les torsades. Je n'en avais jamais fait. Je ne vous l'avais pas dit, ça, quand je vous ai demandé de voter. Je me suis dit, oh là, les torsades, si tout le monde vote pour les torsades, il va falloir que je m'y mette. Et ben voilà, je m'y suis mis. Et ah, d'accord, en fait, c'était, enfin, c'est une technique à appréhender au niveau du maniement des aiguilles. Mais rien de compliqué. C'est tout à fait faisable. Donc, ce que je fais, c'est que en aiguille auxiliaire, j'utilise l'aiguille. De la même taille, 2,5, du kit des Xiaogu. Parce qu'en fait, moi, toc, je tricote, j'ai acheté chez Lily comme tout, je tricote mes chaussettes avec le kit de chez Xiaogu qui sont, enfin, qui, je me rappelle plus le nom qu'il a, mais en gros, j'ai toutes celles-ci, donc du 2 mm au 3,25, et en aiguille courte, ou en aiguille longue, enfin longue, voilà, en interchangeable, donc du coup on met le câble qu'on veut. Donc je prends les courtes avec le plus petit câble pour faire mes chaussettes, et du coup j'ai pris la grande aiguille pour faire l'aiguille auxiliaire. C'est un coup de main à prendre pour ben voilà, mettre les mailles en attente, enfin, mettons, ben non, je ne la range pas puisque je m'en sers. Donc voilà, du coup, j'ai commencé mes deux premiers rangs de torsades. J'ai compris ben, le principe du diagramme. De là à ce que je le. Enfin, à ce que j'ai plus besoin de le regarder pour tricoter, on n'en est pas là. Hein. Donc du coup, ce sont des chaussettes qui ont bien avancé parce que je voulais absolument commencer les torsades. Donc du coup, j'ai fait rapidos les côtes. Voilà, parce que ça va assez vite sur. Moi, je tricote la taille 64 mailles. Donc bon, hein, c'est côte. C'est voilà, ça se. Par contre, du coup, je voulais faire les torsades et effectivement, ça croise. Alors là, on voit rien, hein, mais on voit que ça commence à croiser. Donc,
J'ai hâte de voir le motif de torsade se dessiner. Voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans la semaine pour du yoga, du tricot. Et voilà, je suis partie pour accompagner, pour passer l'agrément, pour accompagner les enfants pendant les cours de natation. La question, c'est de savoir est-ce que je vais l'avoir. Ça serait. Bon, non, je pense que je vais l'avoir, ça devrait aller. Deuxième essai. C'est parti. Alors, la roue. Ah non, ça marche pas plus que là l'autre jour. Alors, je sais qu'on m'a dit, ça c'est bien collé, ça fait décoller tout seul, voilà. Ouais. Bon, ben voilà, déjà on est pas mal. Je sens la différence. Ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais je sens la différence. Et bonjour tout le monde, me revoilà. On est vendredi soir, il est presque 19h. Je voulais vous faire un petit focus, petit point sur mon brio-chalicius. Pour celles qui arrivent et qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, le brio-chalicius, c'est un châle que je tricote en laine bébé mérino de chez Fonti. Là, je vous montre deux couleurs parce que c'est un châle qui intègre de la brioche bicolore. Et donc, du coup, j'ai deux couleurs. Ma couleur principale, c'est ce gris clair. Et là, je suis sur la section avec ce bleu pétrole. Là, il y a quelque chose dessus. La caméra. Voilà. Donc, les premières sections étaient avec ce bleu. Et la deuxième avec ce vert émeraude. Voilà. Donc, le petit point. Le brio-chalicius, c'est un châle designé par Andrea Mori. Je vous mettrai les liens sous la vidéo, comme à chaque vidéo. Sauf si j'oublie ou que je fais des erreurs. J'ai tricoté dessus, mais j'ai l'impression que ça ne se voit pas. Les rangs, en fait, c'est que les rangs sont très longs. Là, j'en suis arrivée à des rangs de plus de 400 mailles. Enfin, 400 mailles. Pour finir sur un. Oui, 423 mailles. Donc, c'est ça. J'en suis à 400 mailles à peu près par rang. Et. Pouf, 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 que c'est long. Ah mince, j'ai pas. Bon, j'ai pas coupé ce fil. Bref, c'est pas très grave. Voilà. J'en suis. Ici. Donc, j'ai quand même tricoté. La section
La dernière section de brioche bicolore est celle-ci et doit faire la taille de celle d'en dessous. Donc j'en suis un tout petit peu plus de la moitié. Il me reste là exactement, pardon, excusez-moi, ça me gratte l'œil. Il me reste exactement 22 rangs de brioche à faire avant d'avoir la bordure qui fait, je dirais 12 rangs, je crois, un truc comme 12 rangs. Et ensuite le rabat. Je sais que Eve a mis près d'une heure. Ma tricopine Eve a mis près d'une heure à rabattre le châle. Ce qui ne m'étonne pas. Puisque là, les rangs. Ouais, là, j'avoue, alors honnêtement, je l'aime beaucoup. Et franchement, ça va être. Hop, pardon, je fais. Quel magnifique gym. Ça va être un super châle, hein. Il va être bien étendu parce que là il est tout rabougri, mais sur son petit câble. Mais voilà, il va être super joli. Mais j'avoue, là tout de suite, j'en ai un petit peu marre. J'ai envie de le terminer et ouais, c'est vrai que je suis sur un petit quart d'heure, enfin ouais, un quart d'heure pour faire un rang, donc je les enchaîne pas quoi, j'en fais deux, je fais autre chose. Là j'étais à un tricoté. Tout nouveau tricoté que je ne connaissais pas. Alors c'est rigolo, c'est un tricoté qui se passe dans la médiathèque dont je vous parle beaucoup sur mon autre chaîne, ma chaîne de livres. Parce que ça fait longtemps que j'avais vu qu'effectivement, le vendredi à 14h, voilà, il y avait du tricot. Donc j'étais voir pour... Parce que c'est à un quart d'heure de chez moi. Du coup, j'ai tricoté et j'ai fait 3 rangs. Je me cache, j'ai honte. Non, c'est pas ça, c'est que bah vous savez ce que c'est, un tricoté, surtout que c'était la première fois que j'y allais, donc j'ai discuté, on a plaplaté, on a regardé tous les projets des uns des autres, et du coup j'ai tricoté 3 rangs. Mais c'était très sympa. Voilà, c'est toujours très agréable de rencontrer des personnes qui partagent la même passion que nous. Donc voilà. Donc j'aimerais, mais ça je suis sûre et certaine, ça c'est. Je n'aurais pas fini la section 5 dimanche soir. Voilà. Dimanche après-midi, quand je diffuserai cette vidéo, ça c'est sûr. Donc, bah, voilà. Oh là là, qu'est-ce que je vais être bien là-dedans. J'ai hâte. Je me dis, il me reste 22 rangs. Allez, pour dimanche 14h30, la diffusion de la vidéo, j'aimerais qu'il me reste 10 rangs à faire. Ce serait bien ça. Voilà. Objectif. On est samedi, vendredi 19h, dimanche 14h30, il me resterait 10 rangs à faire. On se retrouve dimanche pour un point brioche. Pâte à pizza. Ben, au lait qui monte. J'avais dit que je voudrais conclure cette vidéo avec qu'il me reste 10 rangs au moment où, en gros, au moment où elle sort, dans le début d'après-midi, qu'il me reste 10 rangs de brioche à faire. Alors, techniquement, j'y suis presque, puisqu'il me reste 12 rangs de brioche à faire. Donc, voilà, j'ai avancé. Hein. Là, j'ai essayé de... Ben, j'ai tricoté que ça, en fait. Pour pouvoir avancer sur mon tricot, le terminer, que je puisse me libérer un peu de temps pour plusieurs tricots. C'est pas ben voilà, je l'aime beaucoup, etc., etc. Mais c'est vrai que du coup, ben là, les rangs prennent un quart d'heure. Donc, ben, voilà, quand j'arrive à me libérer 1 heure de tricot dans la journée, effectivement, j'avance 4 rangs de celui-là, ça se voit à peine quoi. Donc, quand j'aurai fini, bah, c'est vrai que du coup, le reste pourra réavancer un peu plus. Donc, eh ben, je vais pas vous refaire toute l'histoire du truc, mais il est doux, 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 doux. Je sens que je vais être
vraiment bien dans ce châle. Et puis franchement, alors, je me suis bien amusée, mais vu bah, du coup le temps qu'il prend de tricot, je serais bien contente de l'avoir cet hiver autour de mon cou. Voilà pour cette semaine. J'ai mis hier des petites bouts de vidéo. On a fait une soirée cinéma à la maison. C'était rigolo comme tout pour les 5 ans et demi. C'était voilà, le jour des 5 ans et demi de notre petit. C'est important, les demi. Donc du coup, on a fait comme un style anniversaire. On lui a fait un gâteau au chocolat et pizza maison. Et on s'est mis une séance cinéma. On a mangé notre pizza à la main devant la télé. C'était trop, voilà. C'est des petits bidules, mais qui font, bah voilà, qui leur mettent des étoiles dans les yeux. Ils étaient contents comme tous. On couche à 21h30. Bah, il suffit de pas grand-chose et c'est toujours rigolo. Donc je vous ai mis des petits bouts de vidéo pour vous montrer un peu ça. Je n'ai pas d'autre chose à vous montrer. C'est un petit vlog cette semaine. Je travaille en coulisses. Donc c'est vrai que du coup, j'ai un tout petit peu moins de temps tricot lecture que je voudrais, mais c'est parce que je suis en train de réfléchir, enfin pas de réfléchir, c'est tout réfléchi, mais de travailler voilà, dans l'ombre pour la création de ma micro-entreprise. Je lance ma micro-entreprise d'astrologie en tant qu'astrologue le 1er novembre, ou 2 novembre exactement. Donc du coup, bah, voilà, enfin, pour ceux qui ont créé des entreprises ou des micro-entreprises, ils peuvent imaginer, ceux qui ne l'ont pas fait peuvent imaginer aussi. C'est pas, voilà, c'est pas j'appuie sur un bouton et hop, je suis entrepreneur. Donc du coup, bah, voilà, rien que je montre, rien d'intéressant à montrer, mais en tout cas, voilà, du temps pris, ça c'est sûr. Mais pour pour la bonne cause et pour ma réorientation professionnelle. Voilà, donc c'est un tout petit vlog, mais ça me tenait à cœur de le sortir dimanche quand même et de garder ce rythme-là d'une vidéo par semaine. J'espère la semaine prochaine vous retrouver avec autre chose que le brioche Alicio, c'est-à-dire en fait l'avoir même terminé pour la fin de la semaine prochaine et vous montrer différents projets. Je vous dis très bon dimanche après-midi si vous regardez la vidéo quand elle sort. Sinon, très bonne semaine, très bonne nuit, très bonne. Suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. À très vite. Bye bye!